on passe maintenant aux inconvénients. Il y en a. Alors, les inconvénients en ce qui concerne la césarienne, c'est l'impact sur la mobilité. Certains d'entre vous vont probablement dépendre de quelqu'un pour avoir quelque chose. Vous n'allez pas pouvoir vous baisser. Vous n'allez pas pouvoir vous coucher sur le ventre, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir allaiter aisément, comme je le disais, pour l'accouchement par voie basse. À chaque fois que je portais ma fille, c'est vrai que j'avais attaché le ventre, mais ne serait-ce qu'une légère pression sur cette zone-là, c'était... Ça faisait super mal, super mal. Et lorsque, c'est vrai, lorsque vous venez d'enfanter, j'ai oublié ce détail-là, lorsque vous venez d'enfanter, lorsque vous commencez à allaiter, l'allaitement va favoriser à l'utérus de se refermer. Donc, imaginez que votre ventre est déjà coupé, vous avez déjà une blessure là-dessus. Et maintenant que cet acte que vous êtes en train de poser influe sur ce côté-là, je vous assure, c'est galère, ça fait mal. Donc, non seulement ça va jouer sur votre mobilité, mais votre allaitement, ce sera... Il va falloir cirer les dents, il va falloir être forte. Un autre inconvénient, c'est qu'il y a des risques de rechute. C'est pas facile pour toutes les femmes de se faire opérer, d'avoir une césarienne et de ne pas aller rentrer à l'hôpital quelques jours, quelques mois après. Il y a des risques de rechute, il y a des risques que votre incision s'ouvre à nouveau, il y a des risques que cette incision s'infecte. Donc il y a tellement de poids à mettre sur l'hygiène, à mettre sur le fait de ne pas porter des charges lourdes dès les premiers jours, donc éviter ce genre de choses. Donc ça vous limite vraiment. Les effets secondaires à long terme, comme je disais, quand je parlais de ces tiraillements que j'ai rapidement, il y en a qui ont mal au dos. J'ai mal au dos légèrement, parfois au bas du dos. Il y en a qui ont mal au dos dû à... On appelle encore ça comment là cette piqûre là, la péridurale. Il y en a qui ont des mal de nerfs. Les muscles, la sangle abdominale, tout est en désordre. Donc parfois la femme a tendance à prendre des postures qui ne sont pas bonnes pour éviter d'avoir mal et ça crée tout un désordre à ce niveau-là. Désolée. Mais on y survit. Un autre inconvénient de la césarienne, c'est le problème de transit. Lui, vous allez le remarquer de prime abord. Quelques jours après la césarienne, vous allez avoir des difficultés soit à faire numéro 2 ou alors à faire numéro 1. Comprennent celles qui pourront. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, vous allez avoir de la peine à faire l'une de ces deux choses-là dès les premiers jours. Est-ce que je ne serais pas mieux de mettre de l'éclairage? Je vais mettre de l'éclairage. Nous allons malheureusement continuer la vidéo avec cet éclairage parce que il y a un orage qui se prépare. Alors la pluie va tomber. Ouais, ce sont les aléas. Je parlais des problèmes de transit avant de changer d'environnement. Alors je disais que vous allez avoir du mal à passer le numéro 1 ou alors le numéro 2. Mais tout ira bien au fil des jours. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. C'est quelque chose de temporaire. C'est vrai qu'il y en aura. Il y en aura ou alors certaines pourront expérimenter ce désagrément pendant un temps un peu plus long, mais je vous assure c'est quelque chose de passager. Mais si vous continuez d'avoir des troubles dans ce genre là, consultez votre médecin et il pourra vous prescrire des laxatifs et tout ça. Mais continuez de vous alimenter normalement, équilibré avec des fruits, avec des légumes et tout ça, et ce sera bon, nickel. On va passer maintenant aux inconvénients de l'accouchement par voie basse. L'un des inconvénients que j'ai remarqué, c'est pour celles à qui ça pourrait ne pas arranger, c'est en fait cet aspect de votre bassin qui va un peu changer. Vous allez avoir un bassin un peu plus large, comme les Mama Benz. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les Mama Benz. Les Mama Benz, elles ont un bassin qui devient un peu plus que la guitare pour certains. Il s'élargit. Donc, vous ne pourrez peut-être pas rentrer dans votre silhouette initiale, mais c'est l'un des atouts, c'est l'un des plus d'être maman et d'avoir porté vie. Donc, réjouissez-vous, c'est quelque chose qu'on pourrait considérer davantage. À long terme, vous allez remarquer que vous allez avoir des problèmes de... Quoi, c'est cette zone au niveau de votre pubis, cette zone qui referme le col de l'utérus.
ces deux trucs là qui ferment comme ça là, plus rien ne peut passer. Le bébé ne peut pas tomber. Ses os se fragilisent, plus vous aurez des enfants et plus ils vont se fragiliser. Ma dernière fille, pour la porter, c'était pas facile. Ça faisait mal, j'avais mal, j'ai commencé à avoir mal à partir du 6e mois. J'ai demandé à mon médecin, mais qu'est-ce qui se passe? Mais madame, vous n'avez pas le même âge. Votre corps a déjà fait ce travail deux fois déjà, donc ne sous-estimez pas le fait que l'appareil également va commencer à présenter quelques petites pannes. Mais bon, si on me l'avait dit tout ça, on ne me l'a pas dit. Remercie-moi. Un autre inconvénient de l'accouchement par voie basse. C'est ce qu'on appelle les points de suture que vous aurez si la tête, la circonférence de la tête de votre enfant était un peu plus large et votre vagin était un peu plus petit. Donc il a fallu qu'on coupe, le périnée pour que tout aille un peu plus vite et que vous ayez moins mal. Alors cette zone-là, moi on me l'a suturée la première fois à chaud, comme on le dit, sans anesthésie. C'est vrai que l'accouchement m'avait déjà sonné, donc lorsqu'elle le faisait, je n'ai presque rien senti. Ça fait mal quand même, oui. Et on vous coule le périnée, on vous fait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points peut-être. Le problème, ce sera que vous pourriez avoir des gaz. C'est pas des gaz en tant que tel, ce sont des fuites d'air. Vous pouvez regarder ma précédente vidéo par rapport à cela. Vous allez avoir des fuites d'air, vous allez avoir la sensation d'avoir un vagin qui est devenu un peu épave. Oui, ça arrive. Donc ça, c'est l'un des inconvénients d'avoir des accouchements par voie basse. Parce que la tête, la passe, c'est quand même... c'est plus que la taille d'un pénis. Vous voyez un peu, donc... ça, ce sera l'un des inconvénients. Il va falloir que vous rééduquiez votre périnée à accepter la taille de monsieur. Oui, il va falloir des efforts pour que le vagin redevienne un peu plus étroit. Je pense que j'ai parcouru toutes mes notes. Je pense n'avoir rien oublié. De toutes les façons, si je me rappelle de quelque chose d'autre, cela fera probablement l'objet d'une nouvelle vidéo. Je vais rapidement conclure avant que vous commenciez à entendre des coups de tonnerre un peu partout. J'ai précisé ici le fait que pour la césarienne, s'il vous plaît, ne vous y lancez pas parce que vous vous dites que c'est la meilleure option de vous-même. Laissez le soin à votre médecin d'être le seul juge s'il vous faut une césarienne ou pas. N'y allez pas parce que non, pas parce que j'ai dit non. Allez, vous ayez vos césariennes strictement sous accord médical. S'il fallait donc que je réponde à la question suivante, est-ce que aujourd'hui je conseillerais ou alors j'opterais pour un accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne? Par voie basse, ça fait mal pendant, disons, une journée et après c'est oublié. Alors que césarienne, ça va me faire mal. J'aurai un rappel chaque mois, ça va jamais pratiquement finir. Excusez-moi, mais aucun des deux pour moi. Aucun des deux, je préfère... Non, aucun des deux, aucune des solutions n'est bonne pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, il pleut des cordes, j'adore la pluie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, très bientôt, merci, je suis Ariane Evelyn, des bisous, je parle trop vite, des bisous, bye bye les gars, bye. Commencez avec des contractions. Ouais. Survie ou survécu? Le français? Non. Maintenant, pour ce qui est de la durée de l'accouchement, j'ai mentionné ça déjà, la durée. La durée.